Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est pas pour vous déranger, toutes nos excuses. En fait, nous, on est des militants politiques panafricains. Voilà. Moi, je suis du Congo, Brazzaville. C'est un petit pays de moins de 4 millions d'habitants. La raison de ma présence ici, c'est que nous dénonçons un système qui tue les Africains. Beaucoup de blancs, beaucoup de gens se disent que quelle est cette immigration envahissante? Quelle est cette immigration envahissante? Les Noirs ne font que venir en France. Mais j'aimerais vous dire, l'immigration est due par deux facteurs. J'aimerais bien parler aux Français de souche. L'immigration est due par deux facteurs. Une instabilité politique et une instabilité économique. Et c'est organisé par qui? Par des gens comme les François Fillon, qui soutiennent les dictateurs en Afrique. Pour la petite histoire, 1997, les Congolais venaient de faire partir un dictateur par des états généraux, la conférence nationale qu'on a fait chez nous. Et il s'avère que les Congolais ont voté un président. On a voté un président qui vient voir que la France ne nous donnait que 17% pour notre pétrole. Et le monsieur, intelligent qu'il était, a voulu revoir les pourcentages. Lorsqu'il avait demandé, c'est trop peu ce que vous nous donnez, il faut qu'on augmente. Ils ont revu la hausse à 37%, ce qui n'a pas plu à la France. Chirac arme celui qu'on avait chassé, Denis Sassou Nguesso, qui lui donne les armes pour faire un putsch. Ne respectons pas la décision démocratique des Congolais. Voilà notre présence ici. En 97, moi j'étais encore dans mon pays. On organise une instabilité politique, ce qui me ramène aujourd'hui, je suis en France. C'est un exemple pour vous donner la raison de l'immigration. Et si nous ne prenons pas conscience, si nous ne prenons pas des vraies mesures pour lutter contre cette immigration, parce que pour lutter, il faut simplement la démocratie en Afrique, il faut renégocier les contrats avec les Africains, les prendre comme des partenaires et non comme des esclaves ou des larbins. Voilà ce qui diminuera l'immigration vers la France. Le message, c'est cela que je tenais à faire passer ici. Voilà. Merci encore donc de m'avoir écouté. Une bonne soirée à tous. Merci. Bon, bonsoir tout le monde. Donc, c'est un compatriote français, métis et un père de famille. Donc, nous avons un grand problème, mes chers compatriotes. C'est François Fillon. François Fillon est l'un des grands mafieux. Ancien Premier ministre Nicolas Sarkozy, que j'ai toujours pointé de vous en disant en droit de mer. Nicolas Sarkozy, un grand mafieux. Maintenant, nous avons un autre grand mafieux, c'est François Hollande que nous avons élu dans notre si beau pays qu'est la France, qui a ramené plus de 6 millions de chômeurs. Parce que François Hollande sont plus de nous, hein. Le seul bon truc que François Hollande a fait en France, c'est le mariage pour tous. Mais moi, je dirais mariage pour eux. Donc, le problème aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, on est en train de massacrer aux poules à cause de la découverte de l'uranium que Areva a fait et le coltan. Donc, pour ça, ils tuent et ils violent des enfants, ils violent des femmes. Mais c'est quand même aberrant. Au Gabon, il y a eu des élections présidentielles. Le peuple gabonais a élu Jean-Pierre. Mais François Hollande a dit, nous c'est Ali Bongo, il faut qu'il reste pour la France. Mais vous savez tout l'argent qu'ils ont pris pour la France. Mes chers compatriotes, ils ne nous donnent pas un sou. Hein. Tout cet argent, ils mettent dans leur poche. C'est des mafieux. Des gens qui ne s'intéressent pas à nous. Ils s'intéressent quand ils ont besoin qu'on vote. Maintenant, nous devons mettre barrage à François Fillon, ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy en droit de mer. Quand vous voyez François Fillon, vous voyez Nicolas Sarkozy. N'oubliez jamais cela. Donc, barrage, s'il vous plaît, aux élections du mois de mai 2017, François Hollande, nous devons le barrer. Le barrer, François Fillon. Il faut le barrer, François Fillon. Donc, en Côte d'Ivoire aussi, il tue pour
pour l'histoire des minéraux. Toujours la France-Afrique. Donc, s'il vous plaît, ils soutiennent énormément de dictateurs en Afrique. Nous avons besoin que ça change. Et pour cela, nous tous les Français et les binationaux, nous devons nous lever avec nos cartes électorales ainsi que cartes d'identité pour mettre barrage à ces retours des gens qui ne nous aiment pas. Hein? Donc passez une excellente bonne soirée et que Dieu vous garde. Et nous allons réussir. Mais pour qu'on puisse réussir, il faut les mettre barrage. Merci, je vous remercie.